Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. As the director of IEP, to welcome you here to the UNESCO International Institute for Educational Planning. I'm Suzanne Grant Lewis. I would like to welcome you who are here with us physically at IEP, as well as our online audience, which I think way outnumbers what we have in the room. We're very, very pleased to have all of you with us today. And I want to remind you that we are to please be active on Twitter, hashtag strategic debate. But I can say also that our guests each are active on Twitter. And I will give you their Twitter handles at Najat, N-A-J-A-T-V-B, and at S-T-E Giannini. So Stefania Giannini, S-T-E Giannini. And I'm, of course, at Sue Grant Lewis and at IAP underscore UNESCO. So this is IAP's seventh strategic debate of 2018. And the theme for this year has been SDG 4's learning objective, looking beyond the obvious. Today, we are looking at learning of a particular nature, of a particular education actor, the learning that took place by ministers of education. And we're very pleased that they're here to share with us today some of the lessons that they learned about the challenges of educational policymaking. With this new angle for the looking beyond the obvious, we also chose to move to a different format, one that is more conducive to a conversation with the former ministers, and also between the ministers. So I'd like to just briefly introduce you to the format before getting started with introductions of our guests. We're going to start with 10, 15 minutes of questions and answers, which I will moderate. And then we'll turn to each of the ministers in turn to talk about a signature reform that they want to share. And we've asked a few guiding questions to help them prepare, such as why was this signature reform necessary? What were the controversial aspects? How did you confront or overcome opposition? Comment est-ce que vous avez réussi à dépasser l'opposition? Sous quelle forme? De quelle façon est-ce que cette réforme s'est mise en place? Et ensuite, nous avons commencé à avoir un échange entre les ministres qui se connaissent simplement parce que elles ont servi en tant que ministres, elles ont été ministres en même temps. Et ensuite, nous passerons à quelques questions qui sont beaucoup plus liées au processus de politique et d'interaction avec les différentes parties prenantes. Et nous en terminerons avec une période de questions-réponses. Ce sont des questions que le public en ligne et ici dans la salle ici à l'IPE pourront nous poser. Il y a donc des feuilles de papier et des crayons qui seront distribués pour que vous puissiez noter vos questions et ensuite nous les passerons à Estelle qui les lira. Le séminaire finish by 6 o'clock, 6 p.m. à l'entour de we then at that point welcome you upstairs for a cocktail. It will be our pleasure to receive you there. Any questions? So it's now my pleasure to introduce our guests, which I will do en français. Madame Stefanini Giannini est notre secrétaire général de l'UNESCO. Mrs. Stefanini Giannini is our Deputy Director General of UNESCO for Education since May of this year, thereby becoming the highest authority in the UN system for education. In her capacity, she provides UNESCO's education sector with her vision and her strategic leadership in the course de l'agenda éducation 2030. Given SDG 4. She has a PhD in linguistics, and Madame Giannini has become a teacher of linguistics in 1992. And she was the rector of the University for Foreigners in Perugia, Italy, since 2004 and until 2012. They're becoming one of the first female rectors, university, and one of the youngest ones in Italy. During those years, Madame Giannini coordinated a certain number of international projects in the field of higher education and in research, contributing to improving university cooperation between Europe and many other countries,
in the US, in Asia, and in the Middle East, as well as in Northern Africa. She, amongst other things, was also a member of the National Commission for Promoting Italian Culture Abroad at the Ministry of Foreign Affairs. And this was between 2006 and... De 2013 à 2018, est ministre de l'éducation des universités. 2018, and a minister for education, universities and research from 2014 to 2016. She designed and implemented the structural reform of the Italian educational system, axed on social inclusion and awareness raising to the importance of culture. Mrs. Giannini also chaired over the Competitive Council of the European Union under the Italian presidency in the second quarter of 2014. In addition to her current responsibilities, she's also an advisor to the European Commissioner to Research, Science and Innovation, and she's also a member of the Atlantis Group of the Varchi Foundation and of RISE, for Research, Innovation and Science Policy Experts. Welcome, Mrs. Giannini. Belkacem, et depuis mars de cette année, directrice générale déléguée en charge des études internationales et de l'innovation sociale chez Ipsos, une entreprise de sondage. Elle dirige également la collection Raison de plus aux éditions Fayer. Najat Vallaud-Belkacem est elle-même l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut citer Réagissez, publié en 2011, et La vie est plus d'imagination que toi, en 2017. Madame Vallaud-Belkacem est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Après avoir été plusieurs années juriste, elle a travaillé à partir de 2003 à la mairie de Lyon, puis au Conseil régional Rhône-Alpes, où elle était notamment en charge des politiques culturelles. Madame Vallaud-Belkacem et a été l'un des porte-parole des deux candidats à la présidentielle française, Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012. Elle a été ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et de la sport, et porte-parole du premier gouvernement du président François Hollande dès 2012 à août 2014. Puis, de 2014 à 2017, Najat Vallaud-Belkacem a été ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est la première femme à avoir occupé ce poste en France. Ministre, c'est elle qui a porté la réforme de l'enseignement au collège de 2014. Bienvenue aussi. Thank you very much. So I will begin with a set of questions. It's a question. Nous allons commencer avec un certain nombre de questions. Je crois que c'est plusieurs questions auxquelles les ministres réfléchissent généralement après avoir quitté une position. Alors la question c'est, qu'auriez-vous aimé savoir avant de devenir ministre? Ah, micro s'il vous plaît. L'orateur parle hors micro. Micro, s'il vous plaît, Madame Giannini. Je vais à vous remercier en français, oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec Najat. Je vais dire un ami, une collègue. On a partagé l'expérience du ministère, qui n'est pas très légère, comme on allait, je pense, expliquer dans le côté de la position qu'on a au moment. Et on a partagé aussi la dernière fois qu'on a rencontré ensemble l'année passée une danse, oui, on peut dire, on a dansé ensemble.
la dernière fois, pour l'éducation, hein, parce qu'il y a une conférence internationale sur l'éducation. Alors, je vais, si je peux donner une réponse en anglais. Thanks a lot and thanks for this question. It's really... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir posé cette question essentielle. Puis-je dire tout d'abord que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui m'aurait été utile de savoir en tant que ministre avant de prendre mes fonctions pour être mieux informée face aux grands défis qu'on confrontait. La première chose qui, je crois, serait très utile de savoir au sujet de la position elle-même, c'est quelque chose que je ne savais pas. En fait, je ne savais pas que d'être ministre de l'Éducation peut être vraiment plus dangereux que d'être dans de l'eau entourée de requins. Non, je ne plaisante pas. Parce que quand vous touchez à l'éducation dans un pays, c'est quelque chose que Najat et moi savons bien. Et dans toutes les régions du monde, c'est vrai, quel que soit le parti auquel on appartient, qu'on représente, quand on touche à l'éducation, on touche à quelque chose qui est crucial et très sensible parce que ça impacte tout le monde. Donc, je me suis embarquée avec énormément de patience et me sentant très, très généreuse et avec les quelques capacités sur mon CV, j'ai toujours été dans l'éducation, donc je me suis dit que bon, c'était vraiment quelque chose d'important. Et je crois que ça l'est toujours, d'ailleurs, l'éducation. Personnellement, les choses modestes que j'ai réalisées dans ma vie, je crois, sont à cause de l'éducation. Et dans l'éducation, parce que moi, je viens d'une famille très modeste, et grâce à l'éducation, j'ai pu me réaliser. J'ai pu me réaliser et avoir ma vision personnelle sur le pays dans lequel je vis, les gens que je rencontre, le contexte de lequel je vis, les choix que j'ai pris. Donc, je crois que l'éducation est la base de tout. Mais je ne savais pas combien ce poste était dangereux, mais nous avons survécu, Najat et moi. Elle va vous l'expliquer d'ailleurs à son tour. Bref, la deuxième chose que je savais, comment puis-je l'expliquer? Eh bien, c'est que l'éducation à niveau national a une valeur politique très haute, essentielle, mais qui n'est pas si facile de connecter le niveau national à niveau politique avec le débat national et avec les grands défis à niveau international. C'est quelque chose de complètement différent, curieusement. Lorsque vous passez à ce niveau, en fait, vous devez vous concentrer sur ce qui se passe dans les classes tous les jours avec vos élèves, évidemment. Les enseignants veulent savoir quel va être vos salaires, quel va être leur avenir, s'ils vont avoir une augmentation, etc. Donc, c'est très difficile d'élever le débat, au niveau auquel vous aimeriez l'amener. J'ai appris donc ces deux choses sur le tas et j'ai survécu tout en continuant à considérer que l'éducation est la chose la plus importante avec laquelle nous pouvons travailler. Merci. Najat va parler français. C'est un plaisir d'être parmi vous. Does it work now? Ok, sorry. Bonjour tout le monde et vraiment c'est un plaisir d'être parmi vous et à mon tour évidemment de retrouver Stéphania. Pour répondre à la question, does it work? Move the microphone closer to your mouth. Like that? Non, pour répondre à la question, honnêtement, c'est difficile de répondre en une phrase parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait beaucoup mieux après avoir été ministre qu'au moment où on devient ministre que je suis persuadée que si la chance nous était donnée de recommencer, on serait tellement meilleurs. Mais bon, s'il fallait que je retienne une chose, et sur ce ministère particulier de l'éducation, je dirais que j'aurais voulu qu'on m'explique mieux à quel point les débats qui entourent la question éducative ne sont pas et ne seront malheureusement jamais à la hauteur telles que les choses sont aujourd'hui. J'aurais voulu qu'on m'explique mieux qu'il y avait un gap fondamental
entre la qualité de ces débats qui sont tellement passionnés, comme l'a dit Stéphania, en effet, 65 millions d'individus, et bien 65 millions ont un avis sur l'éducation, et donc vous savez, 65 millions de ministres de l'éducation en quelque sorte. Donc les débats sont passionnés, c'est une chose, mais surtout les débats se focalisent sur des choses qui ne sont pas l'essentiel et qui ne sont pas la réalité des défis éducatifs dans leur complexité. J'aurais voulu donc qu'on me dise, écoute, il y a ce gap entre la façon dont les gens perçoivent ce à quoi ils attachent symboliquement de l'importance et la réalité et la complexité des défis qu'il y a à relever pour un ministre de l'Éducation. Pourquoi est-ce que ça aurait été bien de le comprendre avant ? Parce qu'une fois qu'on l'a compris, à la limite, on peut finalement s'accommoder des deux. On peut faire le travail sur les défis complexes, y compris le faire totalement silencieusement, mais en tout cas les résoudre, et en même temps s'adresser d'une certaine façon à ces débats, à ces observateurs, à cette opinion, avec les mots qui sont attendus. Et puis espérer, bien sûr, faire progresser quand même un petit peu cette opinion publique en l'éclairant davantage, notamment par la recherche. Ce qui n'est pas facile, hein, ce que je viens de décrire pour autant, bien que je l'ai compris maintenant, je maintiens que ce n'est pas facile parce que le temps politique est extrêmement court. Donc, vous avez finalement peu de temps pour faire tout cela à la fois. Mais enfin, je pense que pour tout ministre de l'Éducation qui commencerait dans cette fonction, si je devais lui donner un conseil, je lui dirais de bien avoir à l'esprit que malheureusement, les observateurs, l'opinion publique n'est pas aussi informée que le sont les spécialistes de l'éducation qui savent ce qu'il faut faire. En fait, c'est pas compliqué, hein, honnêtement, on sait tout ce qu'il faut faire pour améliorer le système éducatif, c'est pas comme s'il y avait un doute, mais qu'on ne peut pas avancer si l'opinion n'est pas un petit peu entraînée avec soi. Donc, il y a quand même des messages à passer à l'opinion. Voilà. Merci beaucoup, c'est extrêmement utile. Alors, vous deux, vous avez été nommés ministres en 2014 et c'est une période au cours de laquelle le monde était en train de réévaluer les ODD, était en train de reconcevoir les objectifs généraux des SDG. Alors, est-ce que vous pourriez dire quelle influence les ODD ont eu sur votre mandat de ministre? Est-ce que ça a placé l'enseignement ou l'éducation dans un cadre plus général? Est-ce que l'Italie ou le cadre ou la France voulait se voir sur un cadre? Évidemment, l'agenda 2030 et la sustainability, le développement durable était vraiment quelque chose qui était déjà important à l'époque. Et comme je venais de l'enseignement supérieur, la durabilité était quelque chose d'essentiel pour moi. Donc, j'espérais qu'il serait possible de relancer ou de replacer ce débat dans le domaine de l'éducation. La grande réforme que nous avons initiée et que nous avons réussi à mettre en œuvre était sur le système éducatif en général. Mais pour être très honnête, peut-être est-ce la même chose pour Nadia, et que Nadia a déjà évoqué durant sa première réponse, c'est que il n'y avait pas, comment puis-je dire, il n'y avait pas vraiment de connaissance ou de compréhension sur l'importance de ce projet extrêmement ambitieux de l'agenda 2030 et sur la durabilité, en tout cas pas dans mon pays, en Italie. Nous avons commencé avec un concept très simple qui est devenu d'une certaine manière, en tout cas au sein de mon ministère, c'est devenu le moteur du processus. Et ce mot, c'était l'inclusion. L'Italie est un pays très long, du nord au sud, il y a des régions extrêmement différentes, des niveaux de conscience très différents, du sud au nord. Vous pouvez également, dans le système scolaire, vous voyez des différences considérables, des inégalités criantes. À partir de cela, essayez de donner le message que le système scolaire peut être vraiment le moteur d'une société plus inclusive. Si on arrive à développer et à mettre en application les bonnes politiques, on pourrait en fait inclure la durabilité culturelle dans le système éducationnel, éducatif, et en particulier auprès des gens responsables de l'éducation. Je crois donc ce qu'on aimerait faire, maintenant c'est ma position
actuel qui me permet de dire ceci et de suggérer ceci à mon successeur ou à d'autres dans d'autres pays, c'est d'ouvrir un petit peu le système scolaire. Je m'explique. Parfois, les enseignants nous devons être très francs et les éducateurs à niveau national sont plus concentrés sur des questions un petit peu spécifiques qui ont trait à leur enseignement au jour le jour, leur quotidien. Et peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas le temps d'élargir le débat ou d'avoir une vision un petit peu plus globale des fantastiques opportunités que le système éducatif peut offrir aux enfants et au pays en général lorsque ceux-ci grandissent. Opportunité de rendre la société plus inclusive et de rendre la société plus égalitaire. C'est là donc ma suggestion, faire en sorte que les enseignants soient plus ouverts. Alors ça voudrait dire par exemple de donner aux enfants l'occasion d'avoir une école où il se passe plus de choses que simplement les leçons en classe. D'avoir des ateliers, d'avoir... Bref. Donc, non seulement ils peuvent écouter leurs professeurs, mais aussi ils peuvent avoir l'occasion d'entendre ce qui se passe autour du bâtiment scolaire, etc., d'avoir plus d'experts. Il y a des outils qu'on peut utiliser. Et le ministre a le pouvoir d'accélérer ce processus. Mais si je devrais parler d'un point de départ, je dirais qu'il y a vraiment un différentiel. Il y a vraiment un différentiel entre le débat international et ce qui se passe à niveau national et ce qu'on doit mettre en œuvre à niveau national pour le quotidien, parce qu'on a très peu de temps dans une position politique. Voilà, c'est ce que je dirais. Et évidemment, les organisations internationales doivent aussi travailler davantage pour faire participer les pays à la discussion. Donc ça, c'est effectivement très intéressant comme conseil pour ceux qui sont en poste maintenant en Ajad. Encore avec Stéphania, parce que en France aussi, finalement, en vérité, on est assez déçus quand on réfléchit bien à la façon, par exemple, dont les objectifs du développement durable sont quasiment pas connus. Hein. Aujourd'hui, ils ne font pas partie du débat public national. Moi, je les connais parce que je navigue, j'allais dire, sur un plan international. Et quand je me rends dans un certain nombre de pays, je pense en particulier aux pays africains, par exemple, je constate qu'ils sont beaucoup mieux connus, beaucoup mieux maîtrisés, que les acteurs sur place, la société civile s'en est emparée, parce que c'est une façon pour elles d'être empowerées par quelque chose qui nous dépasse, qui est universel. Et donc, quand on se bat, je ne sais pas moi, pour l'éducation, ou pour l'accès à l'eau, ou pour gender equality, on va dire que c'est pour atteindre les objectifs du développement durable. Dans nos pays, et en particulier en matière éducative, c'est tellement vu comme un sujet national, l'éducation. Toutes les passions, tous les débats, toutes les polémiques généralement tournent autour de notre nombril. C'est d'ailleurs ce qui les appauvrit, hein, tous ces débats, oui. Parce que du coup, on ne prend jamais le temps de se comparer avec les autres. Alors nous, j'allais dire comme ministre, on le fait, hein. On n'arrête pas d'essayer d'imposer dans le débat public la comparaison, regarder des objectifs qui nous dépassent, etc. Mais ce n'est pas ce qui est entendu des observateurs ou de l'opinion publique. Donc, je suis désolée de répondre de façon un peu négative à votre question, mais non, ça ne nous a pas beaucoup guidés. En revanche, si on reprend les objectifs du développement durable sans les appeler comme ça dans le détail, oui, assurément, par exemple, la question du développement durable en tant que tel, à l'aune du changement climatique, est de plus en plus présente dans les apprentissages des élèves. Ça, je pense qu'on peut quand même se réjouir de ça. La question de la citoyenneté est plus présente que par le passé dans les apprentissages des élèves aussi. La question de l'égalité entre les sexes est plus présente que par le passé. Mais voilà, à chaque fois, c'est quand même un tour de force que de leur donner plus d'importance parce que vous avez en permanence un débat entre ceux qui disent « bah oui, il faut que l'école se modernise et apprenne des nouvelles choses aux élèves », c'est ça, une école du 21e siècle,
Et ceux qui disent, mais non, l'important, c'est toujours les mêmes disciplines et tout le temps que vous allez consacrer à comprendre le développement durable, c'est du temps que vous enlevez à comprendre la langue ou les mathématiques. La grammaire. La grammaire, les mathématiques, etc. Et en fait, ces débats sont assez vains et agaçants et font perdre beaucoup de temps. Parce que, comme j'espère que vous en êtes convaincus dans cette salle, lorsqu'on travaille sur le développement durable, eh ben, on fait travailler sa langue et ses mathématiques et sa physique et ses sciences, évidemment, en même temps, autour d'un sujet qui, par ailleurs, sera un sujet crucial pour les élèves et qui seront des adultes demain. Yes, thank you very much. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais demander aux deux ministres de parler d'une réforme importante qu'elles ont faite, quelque chose de leur choix, et dont elles se souviennent avec plaisir, ou bien peut-être moins. Alors, nous allons passer la parole à Stéphanie Giannini. Bien, alors, sur la réforme, dont on va demander de parler. Quelles sont les choses principales que nous avons essayé de mettre en œuvre? Eh bien, c'était très ambitieux, peut-être trop ambitieux, dirais-je, après l'avoir mise en œuvre. Vraiment, c'était très ambitieux. Dans l'éducation, l'enseignement général, il y a des choses qui sont à prendre en considération quand on planifie quelque chose, quand on veut arriver à certains résultats concrets. L'éducation est un domaine, l'enseignement est un domaine où vous avez besoin d'assez de temps pour voir l'impact d'une décision se réaliser. Et la politique est très court-termiste, ne vous donne pas le temps d'arriver au point où vos décisions portent des fruits. Donc, cette décision, cette réforme que l'on apportait était sur les enseignants, les étudiants et l'environnement scolaire. Donc, ce sont les trois piliers du processus d'enseignement et d'apprentissage. Sur les enseignants, dans mon pays, en Italie, vous serez peut-être surpris d'apprendre, mais nous n'avions pas de formation permanente pour les enseignants. Et c'est ce que nous avons introduit comme étant une mesure obligatoire. Et donc, j'en suis très fière. Je suis très fière de pouvoir le dire que nous avons mis en œuvre ceci avec les professeurs. Parce que la qualité de l'enseignement dépend considérablement de la motivation des enseignants, de la manière dont ils peuvent travailler, de la manière dont ils sont engagés dans l'activité d'enseignement. Ça dépend aussi des opportunités qui leur sont offertes pour rafraîchir la connaissance. La connaissance n'est pas quelque chose de statique. Ce que vous avez appris à l'université, alors c'est très bien, vous ne devez plus apprendre tout au long de la vie. Non, il s'agit d'apprentissage tout au long de la vie. Éducation permanente, et en particulier pour les enseignants. À l'UNESCO ou à niveau européen, c'est un processus qui ne finit jamais. De nombreux pays, et certainement en Italie, jusqu'à ce que cette réforme soit appliquée, les professeurs pouvaient le faire de manière volontaire. Mais il fallait qu'ils payent personnellement, ils financent leur formation permanente. Alors, ils avaient la possibilité d'être formés ou reformés. Il y avait des organismes particuliers qui le leur permettaient, mais ils devaient mettre leur denier. Ou parfois, les enseignants n'avaient pas soit l'opportunité, soit les moyens de le faire. Donc, nous avons organisé ceci à travers le système. Deuxième point. Ceci a été bien accepté au bout du compte. La deuxième chose qui, je dirais, a suscité une réaction très forte et à une grève générale menée par les syndicats. Et cette deuxième chose était, je dirais, une carrière basée sur le mérite, ou plus basée sur le mérite. Nous avons introduit un système d'évaluation nationale, quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Je crois qu'il faut que nous soyons humbles aussi. Assez humble pour dire quelles sont les erreurs que nous avons faites et ce qui n'a pas bien marché. Parce qu'évidemment, on fait toujours des erreurs. La plus grande erreur, je dirais, est que nous n'étions pas vraiment assez bien armés pour expliquer, en tout cas nous ne l'avons pas, pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce changement. On a mis en place une agence nationale qui nous a permis de faire l'évaluation des enseignants, de voir quelles étaient les choses qu'il fallait améliorer, comment on pouvait renforcer la position ou le rôle des enseignants dans la classe pour être plus satisfaits de leur travail. On n'a pas réussi à le faire, en tout cas pas assez bien et pas à l'expliquer.
je dois dire que nous n'avons pas été capables de le faire. Et je crois que c'est la raison, un des points qui explique un peu l'échec de la réforme. Pour les étudiants, deuxième pilier, il y a deux choses dont je suis très fière. Deux choses que je suis fière d'avoir introduites dans le système et qui n'y étaient pas auparavant. La première chose, c'est un processus plus dynamique de digitalisation. Ce qu'on appelait mission plan pour la digitalisation. Najat en a parlé aussi, mais je veux dire, il ne s'agit pas d'informatique pour les enfants, non. C'est de faire en sorte que aussi bien les enseignants que les étudiants soient capables d'utiliser les technologies disponibles et pas comme quelque chose qui est étranger au processus d'apprentissage, mais qui fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Et il y a une campagne très efficace qui a été introduite dans la première auprès de 5 millions d'étudiants, enfin de collégiens dans le pays. Et c'est quelque chose qui, je suis sûre, portera ses fruits, restera à long terme. C'est quelque chose qui restera. Le troisième point et le dernier, c'était quelque chose qui a été discuté, longuement discuté et a aussi été discuté dans le débat public. Et c'était le plan ou le projet de l'école au travail. Où c'est quelque chose de très petit pour les lycées techniques. Et nous avons étendu le processus pour inclure et pour qu'il soit obligatoire pour tous les étudiants de l'enseignement secondaire. C'est pas facile, évidemment, de combiner les études et le travail professionnel ou l'introduction dans le monde professionnel. Mais c'est un nouveau modèle pour voir que la théorie et la pratique peuvent être conjuguées et que c'est possible. Donc, c'est un exemple de comment nous avons essayé d'ouvrir l'école à la société. Si je peux résumer la réforme en utilisant un mot, je dirais que nous avons essayé d'ouvrir nos écoles. Je crois que c'est l'effort essentiel que nous puissions faire à niveau politique, surtout à notre époque. Et je crois que nous avons réussi à moitié. Alors, beaucoup d'autres choses ont été changées, comme cela se produit partout. Mais en fait, on n'a pas été tout à fait capable d'interpréter ce message, de traduire ce message de manière efficace vers le grand public. Pourriez-vous nous parler encore un petit peu du programme School to Work, de l'école vers le monde du travail? Est-ce qu'il y a eu des stages organisés ou est-ce qu'il y a eu des séances de formation professionnelle? Est-ce qu'il y a eu en fait une espèce de résistance de la part de certains groupes? In the high school system, also in the what is it you call in Italy liceo, no, le lycée en France. I mean also for students. Également pour les élèves. Les élèves en général apprennent le latin et le grec en classe, et c'est tout à fait éloigné du marché du travail avant la fin du lycée pour entrer à l'université et après l'université. Ils commencent à voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de la salle de classe. Et nous avons, si je me souviens bien, 200 heures obligatoires par an pour avoir ces deux dimensions intégrées. Et toute école a un tuteur qui est responsable des enseignants également dans ces nouvelles activités. Et les entreprises, mais également les institutions publiques. Pour vous donner un très bon exemple et un très bon projet dont je me souviens de Pompéi, le site archéologique de Pompéi. 15 écoles de la région étaient en train de repenser ou de reconstruire l'ensemble des communications et des
et ont organisé, mis en place des projets touristiques. Donc, il y avait quelque chose de très proche également de certaines dimensions comme le patrimoine culturel. Et dans ce cas, donc dans ce cas, le patrimoine culturel. Et il y a eu une certaine réaction dans le public contre cette expérience. Et en disant, il faut envoyer les enfants à travailler sans les payer. C'est pour résumer un petit peu ce qui était dit. Et nous savons qu'en Europe, nous avons des pays comme la Suisse, par exemple, puisque nous sommes inspirés de ce modèle, et l'Allemagne, qui ont un système très structuré qui peut également aider les élèves à être mieux orientés pour leur choix professionnel ou leur choix universitaire. Et c'est là l'un des principaux objectifs. Donc, les élèves étaient contents, les enseignants plus ou moins, et la partie la plus importante de l'opinion publique était contre, pour résumer. Et c'est exactement, je pense, l'expérience également de Najad. Et vous avez parlé du fait que vous auriez aimé mieux réussir dans la communication avec le public et la grève, c'était une grève d'enseignants? Oui, d'enseignants. En raison de tous les changements dans leur profession. Et rétrospectivement, est-ce que vous savez quel était le point de vue des syndicats d'enseignants après cette réforme? Nous avons eu une longue discussion après la grève et nous avons un petit peu reconstruit le partenariat avec le gouvernement, les ministères, le ministre. Mais d'après mon expérience, et je serai très franche, les syndicats d'enseignants sont souvent très conservateurs. Ils font partie des éléments conservateurs de la société et ils préfèrent conserver le modèle qui fonctionne encore et de ne rien changer, simplement parce que tout changement apporte ses risques. Et tout changement arrive avec son lot de risques, donc il faut tenir compte de ces risques. Et je pense que commencer une relation plus forte, des discussions continues avec les enseignants, bien, finalement, à la fin, ils ont pensé que c'est très bon ce concernant les enseignants et leur carrière, quelque chose qu'ils contrôlaient avant la réforme et qui était entre leurs mains, et ça c'est du pouvoir. Il faut utiliser les termes appropriés dans la politique. En politique, le pouvoir est quelque chose de très important et idem dans notre vie au quotidien. En fait, ils préfèrent garder ce pouvoir et avoir la main sur cela. Oui, je comprends. Mais vous avez également parlé de fournir des opportunités de développement sur le professionnel pour les enseignants et de développement continu pour les enseignants. Est-ce que cela ne les a pas aidés à accepter un petit peu mieux les choses? Oui, au fil des ans, oui, mais nous avons, c'est le même problème que celui dont nous avons déjà parlé. S'il faut tant de temps pour expliquer, développer, mettre en place une réforme, vous n'avez pas l'opportunité de démontrer l'importance. Nous avons commencé là et maintenant nous en sommes ici. Et il faut montrer que c'est également un avantage pour une catégorie que vous souhaitez protéger. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas très bien si c'est parce que je ne suis plus ministre dans mon pays, mais lorsque j'ai terminé mon mandat, et même également maintenant, si quelqu'un me reconnaît, les gens me disent « Ah oui, Giannini, vous êtes ministre, vous avez fait telle, telle et telle chose. » Et il y a également des enseignants qui me reconnaissent maintenant et qui reconnaissent qu'il y avait des choses qui étaient bonnes. Et ils ont un système ouvert, beaucoup plus que dans le passé. Mais à ce moment-là, il y a une troisième dimension dont nous n'avons pas parlé ou pas encore ici dans ces débats, qui est la presse. Najat connaît cela mieux que moi. La presse est un acteur essentiel, je dirais, dans le processus, parce que la presse peut utiliser un certain langage qui peut engendrer des malentendus sur un certain nombre de choses. Et nous devons penser qu'il n'y a pas que la famille, les élèves, mais également les enseignants, et que la plupart du temps,
Ils connaissent leurs ministres, non pas parce qu'ils sont en contact. Dans mon pays, nous avons 1 million et quelques d'enseignants dans le système public. Donc, c'est quelque chose que, bien entendu, on peut atteindre par le biais de la communication publique. Et la communication, ce n'est pas quelque chose de toujours facile dans un sens positif. Dire que l'on fait telle et telle chose… Et vous ne pouvez pas dire que vous faites quelque chose d'autre. Mais voilà, en fait, c'est comme cela que ça se déroule. Oui, ce sont des éléments communs que connaissent les ministres de l'Éducation, les syndicats d'enseignants, la presse, et alors que l'on espère même faire participer la famille, les enfants, les enseignants. Vous êtes effectivement dans une situation assez difficile en essayant de gérer tout cela, même si à long terme, cela engendre une amélioration de la qualité. Oui, mais c'est étonnant parce que, en fait, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'étais en train de penser que nous avons également essayé pour repenser au début de la réforme, le processus était une consultation publique en ligne, et vous vous souvenez que nous en avons un petit peu parlé, et ils ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont dit que c'était la plus grande consultation publique sur la politique publique en Europe et que nous avons atteint 1,8 million de citoyens qui ont répondu à nos questions. Pour donner un exemple très concret, est-ce que vous pensez qu'il est bon d'avoir une formation obligatoire pour les enseignants ou pas? Donc, c'est une question de ce genre, de ce style. Et nous avons pensé que c'était une façon très ouverte de commencer par les débats, dans les débats publics sur le système éducatif, et l'on se demandait comment est-ce que l'on pouvait améliorer cela. Mais à la fin, et en fin de compte, lorsque l'on modifie le système en termes tout à fait concrets, alors il y a d'autres forces également qui peuvent réagir et qui entrent en jeu. Ce sont des forces qui ont un certain pouvoir entre les mains et qui veulent prouver que leur pouvoir est plus important que celui du gouvernement. Donc, c'est là mon expérience. Merci, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Je vais maintenant me tourner vers Najat pour lui demander de partager avec nous également quelques réflexions, comme vous le souhaitez. À propos de Stéphanie, puis après j'en reviendrai aux réformes. Mais d'abord, c'est drôle parce que figurez-vous qu'il y a quelques semaine, je recevais à sa demande un doctorant qui rédige une thèse sur la question des politiques éducatives. Ah, voilà. Et qui, du coup, donc je lui demande, mais alors comment, enfin, je veux dire, racontez-moi un petit peu comment vous y prenez pour passer en revue ce sujet. Et il me dit, ben, j'ai identifié tous les acteurs de la politique éducative. Et donc, je vais les voir, enfin, je vais voir des représentants de ces acteurs les uns après les autres. Donc là, je viens vous voir comme ancienne ministre et je lui dis, ah, ok, d'accord, quels sont les acteurs que vous avez identifiés? Et il me dit, bien sûr, l'administration de l'éducation nationale, les organisations syndicales, les parents d'élèves, et puis je ne sais plus quel autre acteur. Non, c'est tout. Et je l'écoute et je lui dis, mais, et la presse? Et c'est pour ça que je raconte cette anecdote, parce que je suis tellement d'accord avec vous. Je veux dire, ne pas prendre en considération le rôle de la presse, surtout dans les débats éducatifs, mais on passe complètement à côté du sujet. Parce qu'en fait, c'est quand même d'abord ça. Parce que je reviens à mon introduction quand je disais qu'il y a un gap entre la complexité des défis à relever et puis globalement la piètre qualité du débat public. Cette piètre qualité du débat public, elle est due non pas aux citoyens eux-mêmes, parce que moi, je ne jette jamais la pierre aux citoyens eux-mêmes. Je veux dire, ils travaillent, ils ont une famille, ils n'ont pas le temps d'aller lire toutes les circulaires et toutes nos directives. Mais elle est due à ceux qui vont leur transmettre l'information. Qui leur transmet l'information? On peut dire qu'au fond, il y a trois acteurs qui leur transmettent l'information. Il y a, quand ces citoyens en question sont eux-mêmes des enseignants, il y a leurs organisations syndicales. Parce que moi, ce que j'ai découvert vraiment, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, Stéphania, mais je crois que je devais être très naïve parce que moi je pensais que bien sûr les enseignants par exemple lisaient le contenu des réformes avant de porter un jugement dessus, sachant que quand vous faites une réforme, honnêtement, enfin, je veux dire, on n'est pas en train de faire des réformes confidentielles. Quand on fait une réforme, on l'écrit avec des mots, donc elle est écrite quelque part sur le site internet du ministère, elle fait l'objet d'une consultation dans les instances de consultation.
les papiers sont transmis. Donc, ça existe, le papier existe. J'ai cru naïvement que les enseignants, puisque ça les concernait directement, allaient lire. Non, pas du tout, non. En gros, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Ils se font informer par leurs organisations syndicales quand ils sont syndiqués, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ils allument la télévision. Donc, en fait, si les observateurs plus larges que sont les médias décident, soit de façon volontaire et militante, parce qu'il y a des médias militants, hein, de présenter vos réformes de façon tronquée, eh bien, ça n'est pas simplement l'opinion publique dans son ensemble, c'est aussi les enseignants qui auront une information tronquée et qui porteront donc un jugement. Et puis, pour en finir sur les médias, malheureusement, il n'y a pas que la question des médias militants. Il en existe donc, parce que je rejoins complètement Stéphanie Ast sur sa dernière phrase quand elle disait, à un moment donné, quand vous attaquez des choses dans le dur, et l'éducation est un sujet dur, parce que l'éducation, quand même, ça dit les positions de vos enfants dans les années qui viennent. Les positions de vos enfants sont en compétition, en concurrence avec les enfants des autres. Donc, on peut tous faire comme si... tout le monde était beau, était gentil, et que bien sûr l'éducation est une valeur centrale, mais il y a des gens qui considèrent que un système élitiste dans lequel réussir l'éducation est réservé à seulement quelques-uns est bénéfique pour eux parce que comme ça, ça garantit à leurs enfants de s'en sortir mieux que les enfants des voisins. C'est aussi simple que ça. Puis après, vous avez de doux rêveurs naïfs dont je faisais partie qui considéraient que pas du tout et que surtout les pouvoirs publics devait avoir comme mission absolue de veiller à ce que les enfants soient mis en égale situation de réussir. Mais ça, vous voyez quoi ? Les gens qui généralement ont la voix pour pouvoir l'élever fort dans les médias et imposer leur point de vue sont des gens qui défendent aussi d'abord et avant tout leur intérêt et l'intérêt de leurs enfants contre celui des autres, quoi qu'ils prétendent. Parce que bien sûr, quand ils l'écrivent, ils expliquent s'exprimer au nom de l'intérêt de tous les élèves. C'est faux, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, dans la presse, il y a une partie de presse militante, mais toute la presse n'est pas comme ça, heureusement. Il y a aussi une partie de presse moyennement intéressée par le sujet, en fait. Et qui, du coup, que ça ne dérange pas de rapporter les choses un peu de façon partielle, tronquée. De ne pas recontextualiser, de ne pas expliquer que, en fait, cette réforme-là qui est si critiquée, en fait, quand on regarde les pays voisins, ceux qui l'ont appliquée ont formidablement réussi, ceux qui ne l'ont pas appliquée n'ont pas réussi. Enfin, je veux dire, il y a aussi une presse qui ne fait pas son travail. Puis après, heureusement, il y a une minorité de presse qui fait son travail, mais elle est tellement minoritaire que ce n'est pas elle qui emporte, oui. Évidemment, ni l'adhésion, ni même qui est entendue de la part des citoyens. Donc, oui, pour revenir à ma discussion avec ce doctorant, la presse est un acteur absolument majeur. À ça, donc, vous rajoutez, je disais, les organisations syndicales. Les organisations syndicales aussi, moi, j'ai appris quand même à les connaître. Encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens plus ou moins conservateurs, d'autres plus ou moins progressistes. Et d'ailleurs, les organisations syndicales se définissent elles-mêmes sur, dans le paysage comme ça. Mais moi, sans être désagréable, quand je suis arrivée à la tête du ministère, je me souviens, les premiers jours, je prenais possession de mon bureau, tout était nouveau, et puis tout de suite, il y a comme ça de paraffeurs, de dossiers qui vous tombent dessus, il faut prendre des décisions très très vite, etc. Il faut voir à peu près, je ne sais pas, 50 personnes par jour, c'est très grave si vous ne les voyez pas, et tout, et tout, et tout. Et au bout de 15 jours de ce rythme, je me souviens avoir dit à quelqu'un de mon équipe, de mon cabinet, je lui ai dit, mais j'ai vu plein de gens, j'ai vraiment vu plein de gens. Pardon, mais à quel moment on parle des élèves ? Je ne sais pas, moi personnellement, parce que vous ne nous avez pas posé la question, mais moi, l'éducation est un sujet qui me passionne absolument. Et il me passionne à la fois, parce que comme femme politique, je sais très bien que c'est dans l'éducation que beaucoup, si ce n'est tout, se joue. Mais il me passionne aussi, à titre très personnel, je vais vous le dire, parce que j'adore les enfants. Et que donc, du coup, ça me fait vraiment triper. Pardon, c'est un peu... enfin voilà, ça me fait vraiment, ça me motive, ça me meut que de me dire, ben oui, ben, je vais faire en sorte de dessiner un avenir meilleur à tel ou tel enfant. Et en fait, ça faisait 15 jours de rendez-vous, et parmi ces rendez-vous, ben, il y avait beaucoup d'organisations syndicales où je n'avais pas entendu parler des enfants et des élèves. Et donc, ça, c'est quand même bien un sûr. Petit sujet. C'est quand même un petit sujet. C'est que je ne dis pas que les sujets qui sont défendus au jour le jour par les organisations syndicales autour des conditions de travail des enseignants, etc., ne sont pas graves. Sont importants, c'est bien.
Mais je pense que l'élève n'est quand même pas si souvent que ça au centre des débats. Et c'est ce qui fait que le jour où vous menez une réforme, parce que finalement, celle de Stéphania comme la mienne, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité et comme point commun nos réformes ? C'est qu'en effet, elles sont venues bouleverser des choses. Par exemple, les miennes de réforme, elles venaient essayer, en tout cas, de transformer la pratique pédagogique des enseignants. Mmh. Elle leur disait, dans la réforme du collège, puisqu'on pourrait évoquer celle-ci, elle leur disait, mais attendez, c'est quand même pas normal qu'on ait, c'était le cas ces dernières années, chaque année, entre 100 et 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification, c'est ce qu'on appelle des décrocheurs, parce qu'à un moment donné, ils ont décroché généralement au collège. Okay. Et on sait que c'est au collège qu'ils ont décroché. On avait des chiffres très précis, je n'ai pas besoin de vous les sortir, mais juste s'il fallait vous en retenir un, on avait des chiffres qui nous montraient qu'à l'entrée au collège, les élèves ne maîtrisaient, enfin, ils étaient un élève sur huit à ne pas maîtriser les fondamentaux qu'ils devaient maîtriser. À la sortie du collège, quatre ans plus tard, c'était devenu un élève sur quatre. Donc ça veut dire que les difficultés s'étaient creusées dans le collège. Ok ? Donc, il y avait un maillon faible dans le système scolaire qui était évident à ce niveau-là. Et donc, l'un des pans de notre réforme, ça a été de dire, bah, il y a notamment une chose qui ne convient pas à tous les élèves, c'est le côté très magistral des cours où l'enseignant délivre son cours à une classe, je sais pas, de 32 élèves en faisant comme si tous les élèves étaient au même niveau. Et donc, en fait, il y en a qui ne sont pas au niveau, qui décrochent et qui, au bout de 6 mois, vous les avez... même avant, au bout de 3 mois, vous les avez complètement perdus parce qu'il n'y a pas de cadre dans lequel ils peuvent se ressaisir. Donc, on a introduit une nouvelle pratique pédagogique qui s'appelait les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui consistait en fait à avoir des moments où les professeurs étaient amenés à travailler ensemble. Mmh. C'était du co-enseignement, en quelque sorte, sur des projets concrets. Par exemple, on parlait de développement durable tout à l'heure. Plutôt que de se contenter de parler simplement de physique ou de sciences ou de géographie aux élèves, on disait, bah, on va mener un projet, voilà, je vais vous expliquer le changement climatique, etc. Donc, on va mettre vos connaissances et ce que j'essaye de vous apprendre au service d'un projet qui va vous mobiliser, où les élèves étaient amenés à travailler ensemble. C'est ça qu'on appelait les enseignements pratiques interdisciplinaires. Et donc, ça faisait partie des choses introduites dans la réforme. Mais là, on a eu affaire à certaines organisations syndicales, y compris à certains professeurs, mais qui étaient vent debout contre cette pratique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'élève n'a pas à être au centre. Je veux dire, c'est le professeur qui est au centre et qui délivre son cours, et c'est ainsi. C'est ça, d'ailleurs, l'autorité. Généralement, on convoque toujours le concept d'autorité à ce moment-là. Bon. Deuxièmement, moi, je n'ai pas envie de travailler avec mon voisin enseignant. La notion de travail en commun, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Donc, ça leur semblait être quelque chose d'insupportable quand on essayait de l'imposer. Je ne me souviens plus quel était le troisième sujet. Mais voilà. Donc, en gros, quand on touche à des aspects extrêmement concrets et qu'on essaye de changer les pratiques, c'est là que ça devient difficile. Et c'est là qu'on se heurte, en effet, à une forme de conservatisme des organisations syndicales que tu évoquais tout à l'heure. Je le confirme complètement. Et puis après, le troisième acteur qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais aussi au doctorant en question, c'était tout de même l'opposition politique. L'opposition. Enfin, je ne sais pas si dans la salle, je ne sais pas s'il y a des ministres d'autres pays, peut-être, ou peut-être qui nous écoutent en streaming, mais... Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas une opposition qui, malheureusement, parfois, porter préjudice au gouvernement en place, utiliser absolument tous les moyens de discréditation, y compris, évidemment, l'utilisation des fake news. Et si on ne comprend pas qu'être ministre de l'éducation aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là des fake news, honnêtement, là encore, on passe à côté de l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que certains ministres sont plus sujets aux fake news que d'autres, j'ai quand même le sentiment d'avoir été particulièrement sujette à ça. Mais je pense que c'est vrai partout. Et je vais vous dire pourquoi c'est vrai partout, parce que j'en ai fait l'expérience en direct. Vous voyez, moi, à un moment donné, en fait, je suis comme toi, Stéphania, c'est-à-dire que notre mandat a été marqué sans doute par trop de réformes, oui. Sans doute.
S'il fallait vraiment faire un mea culpa et tirer des leçons. Non, non, ouais, bien sûr. Je dirais, le problème, c'est qu'en fait, on est arrivé à partir de 2012 dans un contexte où l'éducation avait été quand même très malmenée, parce qu'on avait des années précédentes supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale, qu'on investissait de moins en moins, que les résultats étaient catastrophiques. Vraiment, hein, sur les 15 ans, entre 2000 et 2014, on va dire, je vous invite à regarder les résultats. Hein, c'est dans la maîtrise des fondamentaux, etc. Alors que dans les autres pays de l'OCDE, ça va mieux. Chez nous, en France, ça baisse comme ça. Hein. Donc, c'était quand même très, très, très problématique quand on arrive en 2012. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation une priorité, qu'on adopte ce qu'on appelle la refondation de l'école et que pendant 5 ans, on va prendre un par un les sujets et tac, 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 c'est vrai qu'on a fait beaucoup de réformes. On a remis en place la formation des enseignants qui avait disparu chez nous. Elle avait existé auparavant, mais elle avait disparu avant, pendant 5 ans. Oui. Donc, on l'a remise en place. On a changé la semaine d'école des élèves à l'école primaire qui était passée à 4 jours au lieu de 5 jours. Donc, ça veut dire que les petits Français avaient le moins d'heures de cours par rapport aux autres élèves du monde. Donc, du coup, on a remis une semaine à 5 jours et Dieu sait que ça a été compliqué parce que ça a chamboulé les organisations des familles, des professeurs, etc. On a fait ça. On a fait la réforme de l'éducation prioritaire. On a fait donc la réforme du collège. Enfin, on a fait la réforme des programmes. On a changé tous les programmes de l'école primaire, du collège. Bon. Donc, comme on faisait beaucoup de choses, les opposants, pour revenir à eux, ben, l'avantage, c'est qu'ils avaient à chaque fois de quoi se saisir, puisque finalement, il y avait toujours un sujet sur lequel taper. Et par exemple, au moment où je fais la réforme des programmes, qui était pourtant extrêmement ambitieuse, parce que ça consistait à dire, pour la première fois de notre histoire en France, on va repenser le contenu des programmes de la classe de CP, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, jusqu'à la classe de 3e, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, d'une seule traite. C'est-à-dire que c'est le même groupe de réflexion, d'intellectuels, de professeurs qui va réfléchir sur le contenu de ces programmes pour que ce soit cohérent, pour qu'il n'y ait pas de doublons, que ce qu'on a appris en telle classe, ce n'est pas la peine d'y revenir en telle autre, mais que par contre, on peut apprendre autre chose, etc. Donc, on a fait ce travail qui était considérable de modernisation des apprentissages et tout ça. Et les opposants, quand il a fallu taper dessus, à chaque fois, c'était sur la base de fake news, mais qui prenait, mais qui marchait du tonnerre de Dieu. On revoit, par exemple, le programme en histoire sur l'ensemble des années. La première fake news qui sort, c'est oh, « l'enseignement de la chrétienté a disparu, remplacé par l'enseignement de l'islam. Pourquoi ». Pourquoi c'est hallucinant et ça fait rire aujourd'hui, mais je vous jure que sur le moment, ça fait mal. Oui. Parce qu'en plus, évidemment, ça vous décrédibilise sur toutes les autres réformes que vous êtes en train de conduire en même temps. Parce qu'en même temps, vous n'avez pas 100% de votre temps, n'est-ce pas, Stéphania, pour répondre aux accusations, hein, non, parce que 100% de votre temps est utilisé. N'était pas imaginé. Oui. Donc, il y avait celle-là. Il y avait à un autre moment, donc toujours dans cette réforme des programmes, un beau jour sort une fake news sur le mode. Mais enfin, c'est quand même scandaleux. Leur nouvelle lubie, c'est d'avoir réformé les règles d'orthographe pour les rendre plus faciles. Et donc, de supprimer l'accent circonflexe, je ne sais pas si ça te parle, tout ça, mais enfin, Non, j'écoutais quelque chose. Oui, de supprimer l'accent circonflexe, d'écrire autrement le mot oignon. C'est scandaleux, ils ont fait ça. Moi, j'entends un jour ça à la radio, je me dis, mais de quoi ils parlent? C'est moi la ministre? J'avais l'impression qu'ils parlaient de quelqu'un d'autre. De quoi ils parlent? Je n'ai pas fait de réforme de l'orthographe, j'en ai fait plein d'autres. C'est vrai, mais pas celle-là. Alors, j'appelle quand même mon administration. Je dis, je ne sais pas, vous n'avez pas laissé échapper un projet de réforme quelconque? Enfin, non, pas du tout, ça ne nous dit rien. Cette réforme n'a jamais existé. Jamais existé, je vous le promets. Eh bien, croyez-le ou pas, quand on regardait dans les enquêtes d'opinion ce dont les Français avaient parlé à table autour du dîner la veille au soir, parce que vous savez, il y a des enquêtes d'opinion qui vous disent ça, eh bien, pendant, je pense, au moins 2 mois et demi, 3 mois, c'était le sujet de discussion numéro 1, la réforme de l'orthographe qui simplifie les règles d'orthographe. Et pourquoi? Parce que le fait qu'elle n'ait pas existé, le fait que je passe mon temps à nier qu'elle existe, ne suffisait pas. C'est-à-dire que la fake news se poursuivait puisque vous aviez des opposants politiques qui la reprenaient. À chaque fois qu'ils prenaient la parole, ils la reprenaient, vous avez compris. Hein. Et là encore, on a une presse qui n'est pas suffisamment montée au créneau pour dire « bah non, en fait, c'est faux, on n'en parle plus. Maintenant qu'on a dit que c'était faux une fois, on ne va pas à chaque fois recouvrir le sujet. »
Et alors, je disais, je suis trop longue, mais je disais, j'ai l'impression d'avoir été particulièrement sujette aux fake news. Mais le jour où, un jour, je reçois, c'était très drôle, je reçois à Paris mon homologue portugais de l'éducation nationale, qui est un type... Nuno Crato. Exactement. Qui était vraiment un jeune ministre plutôt progressiste, etc., de l'éducation nationale. Et donc, on devait faire une conférence ensemble le lendemain, et le soir, on dîne ensemble, et puis... À un moment donné, je lui raconte cette histoire de la polémique autour de l'orthographe, puisque j'étais en plein dedans. Je lui dis, oh là là, c'est ce qui m'arrive quand même, c'est dingue. Et là, il pose sa fourchette, il me dit, je te crois pas. Je dis, si, je te jure. Non, mais il me dit, mais je te crois pas, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Il est arrivé la même chose, c'est-à-dire, dis, bah, moi aussi, on m'a accusé pendant des semaines d'avoir fait une réforme de l'orthographe pour la faciliter, pour la simplifier, que je n'ai jamais faite. Ah, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je me suis un peu dirigée dans le secteur privé vers le monde de la recherche internationale. Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ce qu'on croit être spontané, une coïncidence, comme par hasard, on a eu les mêmes types de procès d'un pays à l'autre, en fait, c'est rien de spontané. Il n'y a pas de coïncidence. Je pense que tout ça est fomenté, construit, réfléchi par des gens, enfin voilà quoi, que certaines de toutes décisions, en l'occurrence, en matière éducative, dérange et que en fait il y a je ne sais pas où est-ce que ça se décide mais c'est pas normal que les mêmes arguments soient utilisés d'un pays à l'autre. D'ailleurs, entre parenthèses, pour sortir un instant de l'éducation et pour parler un peu de gender equality, j'avais évidemment vécu exactement la même chose en matière de gender equality parce que je me souviens que en France, quand on avait voulu un petit peu introduire dans les écoles l'apprentissage de l'égalité filles-garçons, ça c'était un programme que j'avais introduit à l'époque, j'étais ministre des droits des femmes, c'était juste avant de devenir ministre de l'éducation, et donc on avait fait ça avec mon collègue en charge de l'éducation ensemble, et on avait introduit de façon expérimentale, franchement c'était super, c'était vraiment super, c'était un programme en gros qui permettait aux enseignants volontaires qui plus est, dans les écoles primaires, de mieux mesurer la différence d'interaction qu'ils avaient avec les filles, les garçons, pour voir comment est-ce que leurs stéréotypes vraiment inconscients venaient jouer sur l'éducation qu'ils prodiguaient aux uns et aux autres, bah, les biais, exactement, et donc de leur donner des outils pour qu'ils apprennent dès le plus jeune âge aux filles et aux garçons, qu'on peut avoir des aspirations, des ambitions de même nature, etc., qu'on n'est pas obligé de s'enfermer parce qu'on appartient à telle ou telle sexe, et notamment à l'égard des métiers. Et donc, ce programme qui s'appelait les ABC de l'égalité, quand il est sorti, quand ça a été connu publiquement, il a donné lieu à une intense polémique en France, avec peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, ouais, je vois des têtes qui se... avec notamment, évidemment, des groupuscules qui s'opposaient à ce programme en prétendant que ça allait nier la différence des sexes, voire que ça allait apprendre à tous les enfants qui pouvaient devenir homosexuels, enfin bon, voilà. Donc tout ça a fait. Non mais c'est vrai. I have the same fait... You remember? No no, I have the same experience in some way. Yes pas, yes. Ok, donc alors justement, ce que j'allais raconter, c'est que du coup, les opposants avaient fini par appeler ça, le fait de vouloir introduire cet enseignement à l'égalité, ils l'appelaient la théorie du genre. Ils disaient mais c'était une façon de nier la différence entre les genres et les sexes. Et quelques années plus tard, merde, c'était où déjà ? Pardon. Ah, en Colombie, pardon. Quelques années plus tard, vous vous souvenez qu'il y a l'accord de paix avec les FARC qui est présenté à la population colombienne par référendum. Vous me direz quel rapport, théorie du genre et tout ça. Et je me souviens que le président Hollande à l'époque, François Hollande, se rend en Colombie à l'occasion, enfin je veux dire au moment où le référendum va être passé dans la population, et le référendum est rejeté par la population. Quand il est revenu, il me dit à propos de ce référendum, tu sais quel était l'argument principal sur lequel la population a rejeté le référendum ? Je dis, ben, je sais pas, trop doux avec les FARC ou pas assez, ou rien du tout, la théorie du genre. Ah bon ? Dit, mais oui, c'est exactement les mêmes arguments qui ont été utilisés là-bas, c'est-à-dire qu'il se trouve que dans cet agrément avec les FARC, il devait y avoir une phrase qui disait « et nous veillerons à l'égalité des genres ».
eh ben, les détracteurs ont utilisé ça pour dire mais le fait d'utiliser le mot gender, ça veut bien dire qu'on s'oriente, comme dans un certain nombre de pays occidentaux, vers l'indifférenciation des sexes, donc vers l'apprentissage de l'homosexualité à l'école, etc., etc. Et donc, on a retrouvé exactement les mêmes arguments qui ont provoqué en Colombie le résultat qu'on sait. Mais donc, je me dis quand même, moi, quand je vois ça, je me dis il faudrait que les politiques un peu progressistes aillent reprendre chacun de ces arguments, oui, comprendre comment ils se manifestent dans les différentes sociétés et puis, du coup, essayer de s'y attaquer. Voilà, non, si je peux dire quelque chose, c'est... Oui, est-ce que je... Yeah. Les mains dynamiques, hein, vraiment les mains dynamiques dans des pays qui sont différents. Oui, ils sont dans l'Union européenne, mais avec différents contextes politiques, non, et quelque chose. Alors, avant tout, je vais dire, Naja, que j'ai cru la même chose sur la question des moyens que les enseignantes ont ou pas d'avoir des informations de la loi, non? Et vous avez invité deux ministres naïfs où il y a quelque chose, vraiment, il y a un problème, oui, on a un problème. La deuxième chose, je vais dire, oui, la question des fake news. Je l'avais su exactement avec les mêmes dynamiques que tu as décrites. Deux exemples spécifiques que je vais donner. Les premiers, c'est ce sujet de l'idéologie de genre. Oui. Ça se dit comme ça en français. Théorie. Alors, je suis très heureuse, très fière, oui, d'avoir introduit dans la réforme de l'école en Italie un article spécifique qui a plus ou moins dit comme ça, tous les étudiants, on doit être informé sur la question de la violence de genre et d'avoir des activités qui peuvent, non, aider la formation de ces sujets. Comme ça, non, violence de genre. Et là, on prit ce mot, genre, et exactement comme ça, elle en écrit sur le journal plus important en Italie. Hein? Je veux le Corriere de la Sera, oui, la République, donc, comme Le Monde, Le Figaro, comme ça dire. Voilà. La réforme de l'école du gouvernement Renzi a introduit en Italie la théorie de genre. Et on peut imaginer une partie de, je vais dire, des Vatican, mon catholique le plus conservateur, oh voilà, mais c'est quelque chose qui va changer l'identité, ça peut résoudre. Et absolument loin de l'intention, oui, la première. Exemple de cette, comment ça dire, mauvaisement, non, de l'information, de ce changement qui, je suis d'accord, est absolument intentionnel, et il y a des systèmes avec les réseaux sociaux de renforcer les messages, était dans le cas de la réforme en Italie, la position, le rôle de les chefs de l'école, comme vous dites en français, les directeurs. Oui, on a renforcé ce rôle, on a donné beaucoup plus de responsabilités et la traduction, non, comme ça, je me souviens que je n'ai, qui était vraiment quelque chose d'étonnant, Matteo Renzi Montpellier, ma Stefania, que vous avez fait dans la liste, imaginez, ouais. Voilà la question. On a dans l'école, dans les bonnes écoles, parce que la réforme, peut-être tu te souviens qu'elle était nommée la bonne scuola, non? La bonne école. Dans les bonnes écoles, on aurait le directeur shérif, qu'on se dit, le policier. Policier, oui, mais quel genre? Non, the principal, sheriff, people, yes, policeman, yes, with guns in the school. So it was something that. Donc, c'était vraiment quelque chose. Excusez-moi, oui, en français, oui. Le directeur gendarme de la bonne école. C'est le titre de vraiment. Alors, vraiment, tu as on peut toucher qui n'a pas des moyens, non, pour contraster cette débat public, parce que
ce n'est pas un journal ou une seule conteste. C'est quelque chose qui, dans l'espace du matin, vraiment peut toucher tout le monde de toute la communauté. Donc, juste pour résumer, en fait, ma revue personnelle, vous devez vraiment prendre en compte les médias et aussi les organisations internationales, si je pourrais en fait dire deux ou trois petits mots. Je dois en fait essayer de diffuser une culture d'éducation de qualité et une éducation durable. Il y a des différences vastes qui existent d'un pays à l'autre. Mais nous avons les mêmes préoccupations, nous avons un héritage culturel, un patrimoine culturel, une planète qu'on doit préserver. Mais d'abord, il faut choisir le bon langage pour pouvoir toucher les gens, pour transmettre un message simple qui peut être compris par tout le monde. Et je ne sais pas si c'est votre cas, Najat, mais en tout cas pour moi, en tant qu'homme et femme politique, nous n'avons pas du tout l'occasion d'utiliser ce genre de langage parce qu'il y a beaucoup de différents registres et tout. Donc, en fait, je pense que c'est aux ministres, c'est aux fonctionnaires, c'est en tant que champion d'éducation, c'est aux hommes politiques, aux femmes politiques d'entreprendre cette responsabilité. Mais il y a aussi une chose que nous ne contrôlons pas, et heureusement, c'est la presse. Ce n'est pas seulement, en fait, les magazines et les journaux, c'est les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux, en fait, sont extrêmement difficiles à gérer et parfois c'est très, très douloureux. Je me souviens, en fait, que j'ai eu des relations extrêmement difficiles avec la presse. Et j'étais en fait dans un état d'angoisse perpétuelle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment est-ce qu'ils vont projeter les informations? Vous dites quelque chose, vous faites quelque chose et cela devient en fait une polémique. Cela est complètement transformé par la presse. Et les gens ont tendance à croire que c'est le directeur qui est le gendarme dans les écoles avec des mitraillettes. Bon, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous tirer dessus, n'ayez pas peur. Est-ce que je pourrais juste réagir? C'est très juste, parce qu'il faut reconnaître aussi, je veux dire, moi je l'ai dit tout à l'heure, je ne jette pas la pierre aux citoyens. Je jette la pierre à plein de gens. Oui. Mais les citoyens, honnêtement, j'arrive à comprendre le manque d'informations et les jugements parfois un peu hâtifs, etc. Et je dois reconnaître qu'à cet égard, nous, les politiques, quelles que soient nos bonnes intentions, parfois on n'est pas au niveau non plus, et notamment en matière de vocabulaire. Exactly what you said. Yeah. Parce que le langage. Je dis ça parce que moi, il m'arrive parfois aujourd'hui, vous savez, j'aimais bien archiver ce que je faisais, les discours que je prononçais, etc. Donc, je les ai conservés sur mon blog, etc. Et parfois, pour besoin de préparer quelque chose, je vais reprendre un discours que j'ai pu prononcer comme ministre de l'Éducation. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Quand je m'adressais à des élèves, j'avais un vocabulaire que tout le monde comprenait. Mais je vois bien, des fois, on utilise des expressions qui sont dans nos discours politiques, qui sont incompréhensibles. Je pense sincèrement que, et pourtant c'est des notions auxquelles je suis attachée et je continuerai sans doute à les utiliser, mais que parler de différenciation pédagogique, pour les spécialistes de l'école s'il y en a dans la salle, c'est quelque chose qui parle beaucoup, mais je ne suis pas sûre que les parents comprennent de quoi on leur parle. Et nous, on est sûr qu'on a fait passer notre message, mais si, vous vous rendez compte, on va introduire de la différenciation pédagogique, mais... Enfin, voilà. Et donc, en fait, je crois que tu as absolument raison de dire qu'il faudrait qu'une instance extérieure, pourquoi pas une institution internationale, pourquoi pas une fondation vraiment sur les questions d'éducation, vienne aider, parce qu'en fait, l'une des raisons qui fait que le grand public est
passe à côté des vrais défis complexes que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'a pas le vocabulaire qu'il faudrait pour toucher du doigt tous ces défis complexes, mais c'est à nous d'inventer aussi un vocabulaire qui parle à tout le monde et qui englobe tout le monde plutôt que qu'ils se sentent exclus. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que les discussions étaient très animées. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Parce que toi, tu as quitté le pouvoir donc en 2016. À la fin de l'année. Donc, tu as eu un successeur. Un successeur dans les mains du non, même, pas dans les mains du gouvernement, dans les mains de. Voilà. Oui, avec voilà. Différents. Je pense que c'est la différence entre toi et moi. Parce que toi, ton successeur direct est quelqu'un qui a poursuivi ta politique. Oui. C'est ça hein? Oui, oui. Okay. Oui. Alors que moi, je fais l'expérience d'avoir un successeur direct qui vient et qui coupe. Mais, qui détricote tout. Mais il a fait. Il a mis à monter chaque dispositif, à convaincre les gens petit à petit, à subir tous ces combats. Et bien, du jour au lendemain, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient et qui repasse de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours, qui enlève les enseignements pratiques interdisciplinaires que j'évoquais tout à l'heure pour remettre des cours normaux pour tout le monde, plein de choses comme ça. Mais ça, toi, tu n'as pas eu à le vivre. Non, c'est différent, naturellement, parce qu'il y a un petite continuité, mais dans le cas des gouvernements italiens, on a vu cette une année, non, plus ou moins, de continuité politique avec des changements dans les gouvernements, mais après, il a changé tous les cadres, non, avec les élections politiques le dernier, cette année, et voilà. Il a fait, oui, tout, exactement comme ça. Oui. Donc, oui. La réforme bonne école. La bonne école, oui, c'est une chose. Oui. Y compris sur la question de la formation des enseignants. Oui, sur ce sujet, je vais dire enfin, une chose très, comment ça dire, très, ok, subtil, mais si, subtil, oui. Je connais très bien le contexte italien, hein, je sais. C'est-à-dire, il n'en a pas cancellé, éliminé non, la question de la formation permanente parce que ce n'est pas c'est un sujet populaire. Non, c'est bon de dire tous les enseignants du pays peuvent avoir la possibilité de réfléchir les connaissances et toutes les choses. Mais il a pris l'argent qu'il y en a. Qu'on a mis sur ce sujet, quelque chose comme 40 millions d'euros pour chaque année. Hein. C'est un fonds structurel qu'on a peut-être utilisé de l'Europe. Et elle a dit, voilà, on doit faire la formation permanente, mais pas avec cet argent. L'école peut organiser. Et voilà. Oh, avec Petit. Qui a quelque chose... Ma question, Naja, non, the purpose in English is, do you miss politics? Est-ce que la politique vous manque? Je vais poser ma question en anglais. Est-ce que la politique vous manque? 100? Yes, seulement entre nous, entre amis. Why do you think I'm here? Pourquoi vous pensez que je suis ici alors? Mais honnêtement, je ne regrette pas le choix que j'ai fait parce que je pense que c'est comme pour toi. Je pense que c'est bien aussi de prendre un peu de recul, de distance et y compris de comprendre ce qu'on pourrait faire mieux, ce qu'on aurait pu faire mieux, mais ce qu'on pourrait faire mieux à l'avenir. Oui. On n'est pas à la fin de nos vies. On n'est pas en train de porter un jugement comme si on s'en allait demain. Donc, il y a encore une vie après. Et moi, ce que je fais, parce que je suis donc dans le secteur des études et que j'étudie notamment quelque chose qui va beaucoup te plaire, Stéphania, qui est la question de la perception, des perceptions des individus, qui est crucial. Et donc des biais cognitifs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de notre vocabulaire, parce qu'aujourd'hui, en étudiant les biais cognitifs, je me rends compte en fait comment ça fonctionne dans le cerveau des gens, ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui fait que quand vous avez des préjugés, bah, toutes les informations qui vont aller dans le sens de vos préjugés, vous allez les retenir, et toutes celles qui vont infirmer vos préjugés, votre cerveau ne va même pas les voir.
enfin, ce genre de biais cognitif, ou alors j'ai pas forcément retenu le nom de chaque biais, mais celui qui fait que, en gros, on ne retient que la toute dernière information et on oublie complètement celle d'avant. Et après, donc tout à l'heure, je disais, en fait, les citoyens ne recontextualisent pas les choses. Mais oui, mais parce qu'on ne retient que la toute dernière. Et voilà. Donc, quand on comprend tous ces biais, on se dit que, en fait, comme politique, en vérité, il y aurait des moyens de se faire entendre, de réussir mieux sa communication, etc. Mais qu'il faudrait y consacrer une énergie folle. Mais c'est bien que certains d'entre nous, du coup, consacrent de l'énergie à comprendre ça. Peut-être un jour au service de plein d'autres politiques. Très bien. Thank you. So, merci beaucoup. Donc, vous avez beaucoup parlé de la politique, vous avez beaucoup parlé. Donc, je souhaite poser une question sur le processus de l'élaboration de la politique. Dans quelle mesure est-ce que vous avez pu utiliser les données lorsque vous étiez ministre? Est-ce que vous avez pu utiliser les évaluations, les faits? Est-ce que vous avez pu utiliser ça pour alimenter votre politique? Oui, dans mon cas, nous avons en fait utilisé deux sortes de données différentes. Donc, les données internes au système, au niveau ministère. Et je me souviens que il était très difficile de recueillir ces données parce que je ne connais pas la situation en France, mais en tout cas en Italie, nous n'avons pas encore les bases de données et les systèmes très informatisés. Nous croyons que la numérisation est très importante. Nous avons en fait monté une équipe très jeune. Nous avons invité des chercheurs jeunes du Royaume-Uni également et de la Commission européenne. Et nous avons commencé petit à petit à construire des bases de données, des données sur les étudiants, sur le préexistant. Mais je pense que la dimension la plus utile était la dimension externe. Et je suis désolé, cela vient de l'OCDE et des commissions locales. L'UNESCO était un tout petit peu absent dans mon cas, c'est pour ça que j'ai essayé de vous communiquer ce message. Peut-être l'UNESCO est en fait plus porté sur la culture que l'éducation, peut-être, en ce qui concerne la perception en tout cas. Donc, j'ai découvert l'UNESCO en tant que ministre. C'est une organisation absolument fantastique et on a eu une réunion sur le développement durable. Nous espérons en fait utiliser d'autres réunions aussi, le G7 aussi. Najat et moi, nous étions également en fait dans une réunion G7 au Japon. L'UNESCO était là parce qu'il y avait l'engagement très très fort. Il est toujours là, l'engagement. Hein. L'engagement est très fort. Mais en ce qui concerne les données, c'est la Commission européenne et l'OCDE étaient nos points de référence en quelque sorte. L'approche qui a été utilisée était fortement axée sur les données. Najat et vous? Honnêtement, comme responsable politique, comme ministre, on les utilise énormément. On les utilise énormément. D'ailleurs, on les connaît tous, etc. Aussi bien, en effet, les évaluations et les données qui viennent de l'extérieur, des instances internationales, que de l'intérieur. Nous, on avait quand même un mécanisme d'évaluation assez bon et assez haut niveau. Donc, le sujet, en fait, c'est pas tant l'utilisation par les pouvoirs publics de ces données. S'ils veulent le faire, et on a voulu le faire, on le fait. Okay. Le sujet, c'est l'immaturité du débat public et des acteurs qui font le débat public à l'égard de ces données. Okay. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est que, bah, franchement, on peut quand même être agacé, irrité, quand on voit qu'encore aujourd'hui, en France, lorsque un classement PISA va tomber, tout le débat public autour va consister à dire « Ah ben, vous voyez, vous avez bien dit qu'il ne fallait pas faire la réforme qui a été faite il y a 6 mois. » Non, en fait, un classement PISA,
ça porte sur des enfants de 15 ans, donc la réforme que ça évalue, c'était la réforme qui a changé leur scolarité 10 ans avant. Enfin, vous voyez. Donc, vraiment, on prêche dans le désert, quand on est un responsable politique à peu près sérieux sur ces questions-là, pour essayer d'expliquer aux journalistes et donc à l'opinion publique qu'en fait, il faut juste les traiter avec sérieux. On veut accorder de l'importance au classement PISA, bah alors traitons-le avec sérieux, regardons ce que ça recouvre. Bon, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, parce que sinon, ça pourrait donner l'impression que c'est juste les data extérieures qui posent un problème de compréhension, mais même les data intérieures. Donc, le deuxième exemple, c'est que moi, quand je suis arrivée donc, dans mon ministère, l'un des chiffres que je m'étais donné vraiment comme objectif de faire baisser, c'était le fameux nombre de décrocheurs qui sortent du système scolaire chaque année sans qualification. Je disais, on était à 140 000 à peu près en 2012 chaque année. Et honnêtement, pendant les 3 ans où j'ai été ministre, c'était vraiment pour moi, c'était un de mes sujets prioritaires. Donc, j'ai fait énormément de choses sur ce sujet, y compris créer des lycées expérimentaux dans lesquels on rattrape les élèves décrocheurs, créer un droit au retour pour les élèves qui étaient partis, qui ont le droit pendant plusieurs années de revenir, être repris en main dans des conditions particulières, créer des bourses pour les aider. Enfin, j'ai énormément travaillé sur le sujet. Résultat des courses, à la fin, on n'était pas à 140 000. On était à un peu plus de 80 000. C'est encore beaucoup. Mais enfin, quand même, on a fait baisser le chiffre du décrochage annuel de 140 000 à 80 000 entre 2012 et 2017. Eh bien, ce qui est insupportable pour moi, et c'est pour ça que je peste tellement contre la piètre qualité du débat public, c'est que faites l'expérience, tapez sur Google, regardez le dernier papier qui aura été écrit par n'importe quel éditorialiste, journaliste, homme politique sur le sujet du décrochage. Ils n'en écrivent pas souvent. Mais sur le sujet du décrochage, vous verrez le chiffre de 140 000 ou de 150 000. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu beau matraquer les nouveaux chiffres qui sont mesurés, qui sont réels, etc. Ben, en fait, il y a une facilité de langage qui consiste à se plaindre de l'éducation qui ne va pas bien, etc., en utilisant les chiffres qui arrangent. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, les données, elles existent. Elles sont utilisées par les responsables politiques de bonne intention. Franchement, il y a une immaturité du débat public qui fait que, en fait, ce n'est pas vraiment performant. Quoi. Thank you very much. Merci beaucoup. Je sais que l'auditoire est en train d'envoyer beaucoup de questions et je pense que là, je vais demander à Estelle de faire la lecture des questions en ligne et des questions de la salle. Merci beaucoup. Nous avons bien entendu reçu pas mal de questions et je vais commencer par les problèmes de communication. Je crois qu'il y a pas mal de questions sur ce sujet. La presse est très importante pour la transparence. Et je crois que la politique... Mais il y a une question pour Najat. Est-ce que finalement, ça ne touche pas tous les ministres aujourd'hui et tous les acteurs politiques finalement qui sont au gouvernement on vous demande aussi quelles pourraient être les solutions. Est-ce que c'est là un rôle des services de communication des ministères est-ce que ça serait suffisant pour essayer de combattre ce problème de fake news plusieurs questions aussi avec des problèmes de communication avec des acteurs spécifiques du système éducatif, notamment les enseignants, et comment reconstruire le lien entre des enseignants et l'administration éducative et aussi l'administration au niveau central. Aussi beaucoup de questions sur les grèves qui touchent principalement le domaine de l'éducation, et notamment ces grèves des enseignants. Quelles seraient les solutions pour reconstruire le lien entre les deux? D'abord, sur votre commentaire introductif, bien sûr que la presse sert aussi à faire la transparence. Enfin, j'espère que mon propos n'a pas été mal compris parce que ce n'était pas une attaque en règle contre la presse. Au contraire, j'aime trop la presse et je la considère comme si précieuse que du coup, j'aimerais beaucoup que sur tous les sujets, elle soit à chaque fois dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire l'information neutre et qui soit utile aussi. What is the problem?
Non, c'est pas. Ah, d'accord, c'est mieux comme ça? Non. C'est mieux? Non. Sinon, je peux peut-être reprendre votre micro. Non, on entend mieux. Ça ira mieux comme ça? Ok. Non, donc, pardon, je disais juste en une phrase et pour rebondir sur le commentaire introductif, je ne voudrais pas laisser penser que c'était une critique en règle contre la presse, mon propos. Hein. Je pense que la presse est justement tellement précieuse dans notre système démocratique que c'est bien normal que nous autres citoyens lui demandions d'être simplement à la hauteur de sa mission, qui est d'informer de façon neutre et objective. Voilà. Mais le problème, s'agissant des politiques éducatives, et pour en venir à votre première question, parce que vous me disiez, mais est-ce que ce problème d'information, de fake news, etc., ne touche pas aussi tous les autres ministères de la même façon? Le problème, c'est que l'éducation est vraiment un sujet à part. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, c'est un sujet extrêmement sérieux, mais qui n'est pas perçu comme tel. Par exemple, quand vous comparez avec la santé, je veux dire, les gens considèrent que la santé est un sujet sérieux, mais ils considèrent aussi qu'il y a des spécialistes de la santé qui savent mieux qu'eux. Et donc, ils pourront parfois être en désaccord avec, je sais pas, les politiques conduites en matière de santé, mais par contre, quand ils entendent un spécialiste de santé leur dire « mais non, mais je vous assure que c'est important parce que c'est bon pour votre santé », ils se disent « ben, il est mieux placé que moi, il y a un savoir scientifique, une expertise et une légitimité que je ne peux pas remettre en cause parce qu'honnêtement, je n'ai pas du tout les mêmes diplômes que lui ». Le gros problème s'agissant d'éducation, et là vraiment je compatis avec les professeurs, je souffre avec les professeurs, parce que moi je l'ai vécu comme ministre, mais les professeurs le vivent au quotidien, c'est que l'expertise des acteurs éducatifs n'est pas reconnue. Leur légitimité intrinsèque n'est pas reconnue. C'est ce qui donne lieu à des débats, mais complètement débiles, mais débiles, si vous vous souvenez bien, quand on a changé les programmes scolaires que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, à un moment donné... il y avait, je sais pas, des termes de vocabulaire technique qui évoluaient au lieu d'apprendre le complément d'objet direct. Je sais pas, quand on fait de la grammaire aux enfants à l'école primaire, on qualifiait ça de prédicat. Mais c'est une, enfin, je veux dire, je tiens à le dire à tout le monde dans cette salle. Je ne me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais inventer une notion, la notion de prédicat. Oui, ça sonne bien. Enfin, je veux dire, c'était évidemment une notion scientifique. Qui a été pensé, qui d'ailleurs remonte à très loin en tant que tel, mais on ne va pas s'étendre dessus, mais qui a été pensé par des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui considèrent que dans le processus cognitif des enfants, c'est important d'abord de comprendre l'ensemble de la composition de la phrase avant d'en venir à la décrypter mot par mot et fonction par fonction de chaque mot qui se suit. Voilà, en fait, c'était ça, grosso modo. Cette notion de prédicat, vous avez des tas d'observateurs politiques, polémistes, éditorialistes qui n'y connaissent rien, mais rien, qui n'ont aucune expertise, aucune légitimité scientifique, qui se sont mis à la critiquer du jour au lendemain. Mais c'est n'importe quoi, puis c'est quoi ce vocabulaire qu'on ne comprend pas? En fait, déniant le droit aux enseignants d'avoir un vocabulaire professionnel à eux. Chose qu'on accepte, je ne sais pas moi, pour n'importe quelle autre fonction. Hein. Je veux dire, les médecins ont un vocabulaire scientifique à eux, les plombiers ont un vocabulaire scientifique à eux, mais les enseignants, ils n'auraient pas le droit. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est... En fait, on ne le dit pas assez, mais c'est le nœud du problème. C'est ce qui fait que 65 millions d'individus pensent savoir ce qu'il faut faire en matière éducative et que les débats tournent au n'importe quoi et au pugilat permanent et passionné et qu'en fait, on tourne en rond. Donc, je pense que contrairement aux autres secteurs et aux autres ministères, l'éducation souffre de cette faiblesse-là qui fait que, en fait, la polémique peut rentrer par n'importe quel bout et prendre des formes absolument hallucinantes, telles que celles qu'on a évoquées tout à l'heure, et vraiment convaincre l'opinion publique qu'à la tête de ces ministères, il y a généralement une folle, hein, parce qu'on traitera quand même toujours un peu différemment les femmes des hommes dans ces cas-là, hein, pardon. Je dis ça tout en rajoutant, parce que généralement, quand je dis ça, à chaque fois, il y a quelqu'un pour me dire « Ah, voilà, vous ramenez tout à une question de discrimination anti-femme, mais vous ne croyez pas qu'on peut être opposé à vos politiques sans être sexiste ?» Non, je ne ramène pas tout à une question de discrimination anti-femme, mais je constate quand même que la violence avec laquelle on s'en prend généralement aux responsables politiques femmes qui font bouger les choses, quand elles sont potiches, ça ne dérange personne. Quand elles font bouger les choses, la violence avec laquelle on s'en prend à elles est quand même très particulière.
Donc, enfin voilà, donc je referme cette parenthèse. La deuxième question, c'était comment... Ah oui, alors du coup, maintenant qu'on a compris ces problèmes absolument majeurs de communication, comment on les gère, je vais vous dire, moi, si c'était à refaire, sincèrement, si je devais à nouveau être ministre demain, je considérerais cette question de la communication au sens large, hein, c'est-à-dire aussi bien médias, réseaux sociaux, biais cognitifs des gens, donc vraiment au sens très très large, comme une question archi sérieuse à laquelle je consacrerais des moyens, des gens, du temps et vraiment une équipe pour travailler dessus jour et nuit, parce qu'en fait, c'est majeur, quoi. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose d'agir si vous êtes à ce point-là pas en capacité d'être compris des gens, d'être suivi, etc. Et de ce point de vue, il se trouve que j'étais dans un événement la semaine dernière, figurez-vous, dans lequel, le soir venu, on était quelques-uns à dîner, j'étais à côté de l'ex-premier ministre haïtien, et on échangeait sur nos expériences, décidément. Et il me racontait comment il avait été un peu la cible, lui aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre de fake news ou de procès juste exagérés, etc., contre lui pendant qu'il était premier ministre pendant 3 ans. Et il me disait quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. Il me dit, au bout d'un moment, ça m'a vraiment ça m'a énervé. Et j'ai fait venir un data scientist à qui j'ai demandé de passer, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines dans mon équipe, dans mon cabinet, et de vérifier pour moi d'où venaient tous ces tweets, tous ces commentaires sur Internet, etc. Parce que mon intuition était que tout ça n'était pas improvisé, spontané, etc. Et donc, voilà, cette personne, je me suis donné les moyens pendant 3 semaines. Elle a pris tweet par tweet, message par message, elle a remonté le fil et elle a été en capacité de me faire une conclusion qui confirmait en fait mon intuition, mais c'était mieux de le voir comme ça, à savoir que quand même, il y a énormément de constructions, il y a énormément de forces à l'œuvre, évidemment, qui sont des forces qui sont en vérité opposées à vos changements parce qu'elles défendent leurs intérêts, etc., mais qui vont se faire passer pour un simple citoyen qui n'aime pas la couleur de votre cravate pour, vous voyez, pour commencer à vous discréditer sur des choses qui n'ont l'air de rien, qui semblent innocentes, etc. Et ce genre de choses, c'est vrai qu'en fait, il faut y consacrer du temps, c'est pénible, mais voilà comment il faudrait traiter, à mon avis, la question de la communication, la prendre au sérieux, en fait. Je ne me souviens plus quelle était la dernière question. Ah oui, la relation. Alors, les enseignants, honnêtement, là aussi, je voudrais juste équilibrer mon propos par rapport à tout à l'heure où j'ai parlé d'un certain conservatisme qu'on peut trouver, du fait de ne pas vouloir changer ses pratiques pédagogiques et tout ça. Je voudrais l'équilibrer en disant néanmoins que je suis en capacité de confirmer, après l'expérience ministérielle qui a été la mienne, que enseignant, c'est l'un des métiers les plus difficiles du monde, vraiment. Et vraiment, et que je suis absolument bluffée par ce qu'il faut d'énergie, de multi-casquettes, de multi-compétences pour être un enseignant, et qui plus est un bon enseignant, capable à la fois de faire respecter en effet l'ordre et la discipline dans sa classe, mais en même temps de faire naître des étoiles dans les yeux des élèves, de les intéresser, d'être à la fois un pourvoyeur de savoir, mais presque un acteur. Il faudrait presque une formation d'acteur pour réussir à retenir l'attention d'une salle de 35 personnes. Enfin, moi, je les trouve absolument bluffants. Je trouve que le métier est tellement compliqué. Et de ce point de vue, c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut leur faciliter la tâche sur un certain nombre de choses et que parfois, ils n'ont pas le sentiment d'être traités comme il faudrait. Par exemple, moi, j'ai essayé, c'était sur la fin de ma mandature et je ne pense pas que ça a été poursuivi. Mais il faudra leur reprendre ce travail dans le futur, de remettre un petit peu en question le système des inspections en France qui fonctionne, vous savez, sur un mode très infantilisant pour les enseignants, c'est vrai, où voilà, il y a quelqu'un qui va débarquer du jour au lendemain et porter un jugement sur ce que vous faites dans votre classe et un coup près qui va tomber, qui va avoir un impact sur la suite. Et de transformer, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce système-là davantage en un système un peu d'accompagnement, de consultants, de gens qui sont là pour aider en fait les enseignants, et même quand ils vont les voir, bah, que ce soit l'occasion à la fin de suggérer de la formation et pas de punir. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et que c'est ça qui permettra aussi aux enseignants de se sentir un peu mieux dans leur peau, parce que souvent ils ont l'impression qu'on leur demande à la fois la lune, mais qu'on les voit comme des enfants, donc c'est compliqué d'aller la décrocher. Est-ce que vous souhaitez poser une autre question? Il y a beaucoup de questions sur des questions plus internationales.
Je pense que vous avez répondu à beaucoup de questions concernant PISA et comment PISA peut influencer la politique nationale d'éducation. Et je pense qu'en quelques minutes, il serait bon de soulever des questions qui n'ont pas encore été abordées, c'est-à-dire l'éducation inclusive. C'est là un des principaux éléments mentionnés. Je vais essayer de traduire ce qui est dit ici. Quelle est la solution pour avoir une éducation plus inclusive dans les pays? Et également la question des migrants, des réfugiés. Est-ce que vous pensez que l'Italie, la France et les pays européens peuvent gérer la question directement? Oui, très brièvement, je vais essayer de résumer. Je vais donner la réponse aux deux questions, puisque les deux sont très liées de toute façon. Et je dirais que dans ma proposition à l'UNESCO, la chose la plus importante que je pense que devrait faire l'UNESCO dans un proche avenir, c'est de travailler sur l'inclusion. Et en termes de priorité, vraiment la priorité des priorités, c'est-à-dire la bonne éducation pour les gens déplacés, pour les gens qui ont été forcés de quitter leur pays, leur région, donc pour des raisons diverses et variées, parce que à mon sens, ce n'est pas une des questions qui existent au niveau international, c'est vraiment la question au niveau international, parce que de nos jours, l'idée est vraiment de créer une société globale qui devrait être basée sur des valeurs plus universelles. Le président de ce pays a, il y a quelques jours, parlé de la distinction entre le patriotisme et le nationalisme. Et je dirais que l'on retrouve la même différence, à mon sens, entre l'universalisme et l'internationalisme. L'universalisme, c'est la nouvelle dimension que nous devons améliorer et atteindre à travers une société bien plus intégrée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons être à même de nous connaître un peu mieux, de connaître les cultures, les religions, les croyances, les langues, et que ce faisant, nous pourrions être, je n'aime pas tellement utiliser des termes tolérants, mais disons ouverts. Voilà, merci. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Exactement ça, c'est un terme que j'adore. Être ouvert, cela signifie offrir, s'offrir soi-même, appartenant à une autre identité, mais s'offrir à nos amis indépendamment de la couleur de leur peau et de tout ce qui fait la différence, la religion et le reste. Et nous avons l'infrastructure pour créer ce type de société universelle intégrée. Et cet outil, c'est l'éducation. L'éducation, cela signifie que l'on a des enseignants qui peuvent en apprendre un peu plus sur la question et qui peuvent transmettre leur passion, parce que je suis sûre et je pense que dans chaque pays, une grande partie d'enseignants, parce qu'ils vivent dans une salle de classe, il en va de même dans mon pays, et ce n'est pas toujours dans les grandes villes, mais également dans les zones rurales, parce qu'en Italie comme en France, on a les petites villes de petite taille et de taille moyenne, mais on trouve des communautés où dans la même classe, on trouve 10 à 20 langues maternelles différentes pour 30 ou 40% des étudiants et des élèves étrangers qui sont peut-être une deuxième génération de migrants qui, lorsqu'ils rentrent dans leur famille, ne parle pas la langue du pays d'accueil. Ça, c'est un problème tout à fait concret auquel je me suis trouvée confrontée. Et en tant que professeure dans mon université, j'y ai été confrontée également, mais encore plus en tant que ministre. Et j'ai essayé de trouver des solutions. Et je pense que l'éducation pour les migrants est réellement un des points clés auxquels nous sommes confrontés.
je ne veux pas faire la promotion de mon entreprise, mais je pense que l'UNESCO est vraiment le forum où nous pouvons discuter, parler, donner des directives sur la question. Et c'est une immense responsabilité. Ce n'est pas une tâche facile, loin de là. Sinon, je serais naïve une fois de plus. Cela m'inquiéterait peut-être un peu. Mais vous savez, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Mais si vous me posez la question de savoir ce qu'est l'inclusion de manière plus large et plus exhaustive, eh bien, cela concerne le genre, parce que si l'on laisse de côté la moitié de la population, c'est un petit peu, c'est exactement le contraire de l'inclusion. Lorsque vous avez et que vous n'avez pas un accès ouvert au système universitaire, parce que nous ne parlons pas vraiment de l'enseignement secondaire, mais de l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur, c'est quelque chose de nouveau, nous devons tenir compte, parce que l'avenir de notre pays, la façon dont le pays peut développer une société meilleure dépendra, à mon sens, davantage des universités. Et pour avoir une bonne université, il ne suffit pas, comme l'a dit Najat, je crois, une élite qui s'inscrit à l'université. L'idée n'est pas de créer uniquement la nouvelle élite pour l'avenir, mais de donner les mêmes possibilités à l'ensemble des élèves, à ceux qui ont du talent et qui peuvent suivre une approche plus théorique que simplement la formation professionnelle, ce qui est également une très bonne option. Donc l'inclusion, c'est une fois de plus ouvrir le système et être conscient des nouveaux besoins que nous avons en tant que citoyens d'un monde réellement universel. Et idem pour le langage, parce que nous parlons de citoyenneté mondiale, c'est un sujet très populaire. Et on peut essayer de diffuser cela. Mais dans certains pays, vous savez que lorsque l'on utilise le terme global et mondial, il y a une réaction qui n'est pas toujours positive. Et il y a quelques raisons sous-jacentes. Parce que le global ou le mondial est devenu, s'oppose au nationalisme. Le nationalisme, c'est je défends mon territoire, ce qui m'appartient, vous êtes à l'extérieur et je ne veux rien avoir à faire avec vous. Et la mondialisation, c'est nous mettons tout ensemble, mais ce qui est plus important, ce n'est pas tellement d'avoir le même niveau ou de développer la société ensemble, ce sont les compétences. Oui, c'est le mot-clé, merci, Najat. C'est la concurrence par opposition au reste. Nous devons... La concurrence, c'est la compétition, contre l'ignorance, contre l'inégalité, enfin tout ce genre de choses. Et nous devons coopérer. C'est la compétition dans la coopération. Nous sommes tous des citoyens du monde qui partageons des valeurs universelles. Et c'est ce que moi, je considère être de l'inclusion. Bien, nous n'avons plus de temps. Nous avons une réception qui nous attend. Nous sommes en France. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier nos invités. Et je voudrais également remercier nos interprètes et l'ensemble de l'équipe IIPE qui a permis de préparer cet événement. Michaela, merci beaucoup et merci à tous. N'oubliez pas maintenant que ce séminaire est enregistré, que la vidéo, vous le trouverez sur le canal YouTube de l'IPE et vous êtes invités à regarder toute la liste des films. Et pour l'instant, nous vous invitons à nous rejoindre pour un verre de l'amitié à l'étage supérieur. Merci beaucoup. Déjà.